Hello les gens, c'est Ultra, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de mon walkthrough sur The Amazing Spider-Man 2, et sans plus attendre, c'est parti. Donc, dans le dernier épisode, on s'était quitté après... Voyons ce que Kraven peut m'apprendre, à part me faire pousser la moustache. Je disais donc, dans le dernier épisode, on s'était quitté juste après être retourné chez Tante May. Et on va aller voir Kraven. Et oui, j'ai complètement oublié de préciser, mais je porte le costume de Spider-Man Unlimited. Pour ceux qui connaissent, c'est trop bien. Et en plus, il est très 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 stylé avec les petits reflets et tout. Bref, on arrête tout ça et on va aller voir Kraven comme on l'avait demandé. C'est parti. Je savais que tu viendrais. Ouais, enfin, n'allez pas croire que je suis devenu votre acolyte. Mais je suis sur la piste de Carnage Killer, et j'avoue que la traque n'est pas ma spécialité. Ah oui, le tueur. J'ai cru que c'était toi. Mais en t'observant, je ne vois aucun signe de folie. Vous m'avez espionné ? Très brièvement. Un chasseur se doit d'avoir le sens de l'observation. Rien que la manière dont tu te tiens comme un enfant perdu montre qu'il te faut un guide pour devenir un homme. Je n'ai jamais eu de fils. Mon héritage disparaîtra avec moi. Je peux faire de toi un chasseur hors pair. On pourrait faire équipe, trouver Carnage Killer, enrayer cette vague de crimes. Ensemble, on peut réussir. Je vais quand même agir de mon côté. Bien sûr, moi aussi. Mais on pourra compter l'un sur l'autre, si nécessaire. Je t'ai donné une adresse. C'est celle d'une ruelle où les Russes transfèrent l'équipement d'Oscorp qu'ils ont volé vers une planque. Sers-toi du menu fretin pour attraper des gros poissons. Ouais, on m'a déjà dit ça. C'est tentant d'attraper la proie la plus facile. Mais dans notre cas, les criminels les plus visibles sont aussi les moins importants. Sois patient. Suis-les. Vois où ils vont. Ouais, je comprends, mais je ne laisserai faire de mal à personne. Si je les prends en train de menacer quelqu'un, ils y passent. Les échanges illégaux sont payés en liquide. Si tu suis les hommes de main qui vont déposer leurs gains, ils te conduiront à l'échelon suivant. Tu t'en sors bien. Bon, écoute. Les criminels plus haut placés préfèrent rester discrets. Mais tout comme les animaux doivent aller boire au point d'eau, ils doivent récupérer l'argent et le remettre à leurs supérieurs. Il faut reconnaître qu'ils doivent avoir une forme d'enfer à courir d'un bout à l'autre de la ville comme ça. Impressionnant. Les criminels de rang intermédiaire te mèneront souvent à des commerces légaux qui leur servent de façade pour blanchir leurs revenus illégaux. C'est là que tu trouveras leur chef, des individus respectables en apparence. Grâce à vous, Kraven, je devrais pouvoir trouver les gros poissons qui m'échappaient toujours. Merci. Comme un groupe de lions, quand les chefs craignent un prédateur. Arrêtez, Clandé, et préparez le paquet! Bah regarde-moi ça, il nous indique tout le chemin, c'est parfait, chier. Oh mais il est vraiment stylé en plus. Je vais prendre une photo de cette caisse d'Oscorp, pour pouvoir la suivre. Cette caisse est plus lourde que ta mère. Poum.
boum, boum. Tu lâches ça, c'est pas moi qui porterai le chapeau. Vite, faut charger la caisse avant de se faire repérer. Est à conserver. Ils vont envoyer cette caisse à leur supérieur. Ne la perds pas de vue. Heureusement, je suis du genre, ben, collant. C'est rigolo, ça, Spidey, hein. Ce type-là, il a dit... Quand Spider-Man est là, on n'a pas à craindre d'être agressé. Sauf si tu habites à Paris. Il va le suivre. Il va mener jusqu'à la cachette secrète des Russes. Ils sont rapides. On accélère. Mais non. Et voilà. Raven Pay. J'ai l'impression que les Russes sont pleines de sales types. Il faut que je reste discret. Et c'est parti, on va pouvoir faire une petite mission égout et en plus on a un costume parfait pour ça. Un costume beaucoup trop stylé. Je suppose que c'est pas un guide des restaurants. C'est Carnage Killer. La carte doit indiquer les lieux où il a tué les hommes des Russes. Il y en a bien plus qu'on imaginait. Kraven va être content. On cerne mieux le terrain de chasse de notre prédateur avec ça. On a un petit costume à aller récupérer, alors je sais pas lequel c'est, mais... On va se faire ça, et je pense qu'après moi de mon côté, je ferai les repères de Russes moi-même. Alors c'est là que les gangsters et leurs copains se rassemblent. Bien payé, bien protégé. Difficile à atteindre. Eh bien, on pourrait s'en prendre à ceux qui les paient. Non, tout ce que je pourrais faire avec cet équipement. Je suis sûr qu'Harry m'en voudra pas si je lui emprunte ça. Tu seras mort avant de m'avoir vu bouger. Je vais aller voir ce qui se passe. C'est mon jour de chance. Ok. Donc fallait vraiment aller là-bas. Et un petit enregistrement.
Hop, on continue. Elle peut être aussi rapide. La vache, tu t'es enfilé toute la cafetière ou quoi? J'ai pas compris pourquoi il y avait un énorme ralenti, mais... J'ai comme l'impression que c'était pas une réunion du fan club de Wilson Fisk. Craven, je vous envoie des photos. La première est une carte des endroits où Carnage Killer a frappé. Ah oui, bien, bien. Plus on en sait sur ses habitudes, mieux c'est. Il y a aussi une brochure à propos d'une levée de fonds organisée par Wilson Fisk. Je crois qu'il compte l'assassiner là-bas. Même si Fisk est véreux, je ne peux pas les laisser faire. Surtout s'ils mettent en danger les invités. Déjà dû mettre leur plan en action. Tu dois te rendre sur place et les arrêter. Je veux bien, mais j'ai pas d'invitation et je suppose que vous non plus. Il va falloir improviser. Je suis trop connu pour duper la sécurité. Mais sous ton masque, Spider-Man, personne ne sait qui tu es. Ouais, enfin, je fais pas vraiment partie de ce milieu. Tu trouveras un moyen, petit. Je crois en toi. J'aimerais bien parler à Fisk, pour voir ce qu'il sait sur tout ça. Mais ça m'étonnerait qu'il soit prêt à discuter avec le premier venu. Et encore faut-il que je réussisse à rentrer. Oh, j'ai une idée. Vu la sécurité pour la levée de fonds, je peux pas bluffer avec ma carte de presse. À moins d'être là pour une bonne raison. Un photographe a besoin d'un journaliste. Et je parie que j'en connais une qui compte venir aussi. Bon, et bien maintenant que ça c'est teasé, ça va nous faire un petit cliffhanger pour le prochain épisode. Je pense que cet épisode sera assez court comparé aux autres. Mais je compte vraiment réserver la mission d'après pour un autre épisode. Et du coup, je vous dis... Ciao !